أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Il était 3. Semaine 4. Page 92. Consolidation de la langue. Grammaire. Objectif. Savoir identifier et utiliser la phrase impérative. La phrase impérative. 2. Je me rappelle. La phrase impérative sert à donner un ordre, un conseil ou une interdiction. Elle se termine par un point d'exclamation ou un point. Je m'entraîne. Souligne les phrases impératives. Terminez d'abord votre travail avant de jouer à la marelle. Je dois souligner. Terminez d'abord votre travail avant de jouer. Leïla, viens jouer avec moi à la marelle. Je dois souligner. Viens jouer avec moi à la marelle. Nous jouons à cache-cache. Ce n'est pas une phrase impérative, car la phrase n'est pas un ordre. Transforme les phrases déclaratives de la règle du jeu en phrases impératives. Tu enroules un fouet autour de la pointe. Puis tu tires le fouet en arrière jusqu'à ce que la toupie tombe par terre et tourne. Quand la toupie s'arrête, tu recommences les mêmes gestes. Je transforme les phrases déclaratives de la règle du jeu en phrases impératives. Enroule un fouet autour de la pointe, puis tire le fouet en arrière jusqu'à ce que la toupie tombe par terre et tourne. Quand la toupie s'arrête, recommence les mêmes gestes. Conjugaison. Objectif. Savoir conjuguer à l'impératif les verbes usuels du premier et du deuxième groupe. L'impératif des verbes du premier et du deuxième groupe. Je me rappelle. Relis la règle. On emploie l'impératif pour exprimer un conseil, un ordre ou une interdiction. Le présent de l'impératif se conjugue seulement à 3 personnes. Je m'entraîne. Écris les verbes à l'impératif à la personne demandée. Jeter. Deuxième personne du singulier. Z. Réfléchir. Première personne du pluriel.
Réfléchissons. Respecter. Deuxième personne du pluriel. Respecter. Merci les amis pour votre attention. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de partager. À bientôt!